Alors, vous avez donc assisté cette après-midi, ce que je disais, aux sélections régionales pour la finale nationale du concours donc Dance Trophy. C'est un concours de danse nationale. Il y a des places à prendre en finale. Et nous avons un jury. La première membre du jury va venir m'en rejoindre. Tiens, viens, Vanessa, viens m'en rejoindre. Je vous demande d'applaudir notre première membre du jury, Vanessa, notre prof de Zumba. Bonjour à tous. Alors, je ne demanderai pas une démonstration, ce coup-là, c'est promis, Vanessa. Alors, Vanessa qui fait donc de la Zumba, vous savez ce que... Il y en a qui savent ce que c'est que la Zumba, quand même. Levez la main, ceux qui en font. Eh, il y a un petit peu de monde, on vous a pas beaucoup vu depuis hier matin, quand même, hein. Bon, donc, Vanessa, prête pour ce rôle? Tout à fait, prête. Bon, prêt à avoir de belles choses, évidemment. Bien sûr. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes aujourd'hui, hein, différentes. Donc, pas de problème, je suis prête. Merci Vanessa, bon courage et très belle après-midi avec nous. Olivia, tu viens rejoindre, vite fait. Allez, deuxième membre de ce jury, Olivia de Bortoli, s'il vous plaît, qu'on applaudit également, qui est la productrice et l'organisatrice de cet événement et de ce spectacle. Olivia, cinquième édition du Dance Trophy. Bonjour à tout le monde. Il y a plus de monde que hier déjà, ça fait plaisir. Effectivement, oui, le Dance Trophy, c'est un concours qui est national et à vocation internationale, puisque nous sommes présents dans 16 régions en France depuis maintenant 5 ans. Et nous avons également une délégation en Polynésie française et nous partons en Guadeloupe fin d'année pour faire donc une étape de sélection. Les personnes qui vont être sélectionnées aujourd'hui partent en finale nationale qui aura lieu en Poitou-Charentes au mois de décembre cette année. Et ça représente à peu près sur deux week-ends 400 à 450 à peu près danseurs, dans toutes catégories confondues, aussi bien les danses de salon, les danses modernes, les danses urbaines, les danses orientales, enfin tout style de chorégraphie. On a également une catégorie handidance, puisqu'on est ouvert aussi à l'handidance depuis maintenant 2 ans. Donc les personnes qui souhaitent également s'inscrire par la suite, hein, là c'est une première en Bretagne pour nous aujourd'hui, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez les coordonnées sur les affiches, vous avez des petits flags aussi, n'hésitez pas, voilà. Bonne chance à tous les participants, participantes. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci à tout le monde. On applaudit Olivia. Et c'est une première dans ce jury. C'est la première fois qu'elle vient. Je sais que vous l'attendez tous et toutes. Elle a raflé 3 fois de suite le prix dans Danse avec les Stars. Elle l'a raflé évidemment avec Ryan Bensetti, que toutes les jeunes filles connaissent ici. Est-ce que tout le monde connaît Ryan? Oui. Voilà. Ensuite, elle a raflé le deuxième prix, elle s'est dit « Tiens, allez, je vais faire un doublé. » Et c'est Loïc Noté qui a remporté la saison suivante de Danse avec les Stars. Tout le monde connaît Loïc Noté maintenant, du coup. Voilà. Et le dernier, il a triomphé à Koh-Lanta. Pas le dernier. Et en plus, du coup, il a fait le triplé gagnant pour Denisa. Il a offert la troisième coupe d'affilée à Denisa, Laurent Mestré. Est-ce que vous connaissez Laurent Mestré, hein, non? Eh bien voilà, je vous demande d'accueillir pour la première fois, ici, au Dance Trophy, notre membre de jury, Denisa Ivanova. Un petit mot, Denisa. Déjà, je suis très ravie d'être ici en Bretagne, c'est une première pour moi. Alors, merci d'être venus nombreux. Je sais qu'hier, ce n'était pas aussi nombreux comme Olivier disait, mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de me voir aussi nombreux. Alors, plaisir de vous rencontrer peut-être un peu plus tard, de faire des photos et... Et voilà, j'ai hâte de voir tous les talents qui sont aujourd'hui. J'espère qu'il y a de belles surprises et bonne chance à nos participants. En général, Denisa, tu réagis comment quand on te propose un rôle de juré dans un concours de danse? Et j'adore parce que c'est une belle opportunité pour découvrir les gens, pour découvrir les talents en danse et je pense que ça me fait toujours plaisir. Eh bien, on va suivre ça, tu nous diras voilà, ton ressenti tout à l'heure en tout cas. Merci Denisa, on l'applaudit très fort. Allez là. Pour vous, pour nous, cet après-midi. Alors, on va s'apprêter donc à accueillir nos premiers concurrents. Qui est une première concurrente? Son nom de scène, c'est Agathe. Agathe Pavé, c'est un solo. Elle a 11 ans. Elle fait partie de l'association Color Peps. Elle nous vient du Calvados. Je vous demande de faire un triomphe pour Agathe. Bien rejoint Agathe. Elle a obtenu le premier prix régional, la médaille d'argent nationale en danse moderne orientale. Elle a choisi la musique de Désert Escape, qui est du groupe... T'as aimé cette chanson? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette chanson? Tout.
Bon, eh bien écoute, tu vas nous montrer en tout cas ce talent. Je te laisse aux mains du jury. Je vous demande d'applaudir très fort Agathe. Bah pour une première candidate qui passe ici, c'est vrai que la piste est petite. D'habitude, quand on est en salle de spectacle, on a des très 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 grandes scènes. Donc là, c'est vrai qu'elle a la difficulté déjà d'espace. Et je trouve que pour une première, déjà, vous pouvez déjà l'applaudir parce que passer en premier, c'est pas facile. C'est toute jeune, t'as une très grande maîtrise de ton corps. Déjà, ça c'est un très 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 bon point. C'est très agréable à regarder. Tu as fait un effort au niveau tenue, au niveau maquillage. Comme ça, c'est appréciable aussi pour nous. Moi, pour moi, ça m'a conquis. J'aurais quand même juste voulu en avoir un petit peu plus. Donc, voilà. La prochaine fois, à travailler. Bravo, c'était bien. Bravo, Agathe. Alors, dis-moi ça, évidemment, ton ressenti à toi. Ça c'est première pour moi d'être derrière l'audace du jury, j'adore. C'est moi qui suis le jeu tout le temps. Alors, je sais c'est quoi d'être sur scène, tu as fait un travail extraordinaire. C'est très bien, c'est vrai que tu maîtrises très bien ton corps. J'ai adoré. Peut-être un peu plus de contact avec le public, avec les gens, tu vois, et qu'on ressent à ton énergie. Ton sourire, il est magnifique, alors garde-le tout le temps. Mais sinon, le petit point, c'est vas-y, va chercher les gens, ok? Et moi, je vais rejoindre mes collègues, c'est-à-dire pour moi aussi, c'est la première fois, je suis membre du jury. Donc, c'est agréable, hein, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Donc, pour moi, pareil, je trouve que tu as une présence forte, parce qu'effectivement, tu es jeune, donc je pense que tu as un avenir devant toi très grand. Donc, continue comme ça, et tu as une très très bonne technique de la danse que tu pratiques. Bravo. On peut applaudir Agathe, s'il vous plaît. Bon, Agathe, comment toi? Heureuse d'avoir pu montrer ton talent devant ce jury. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant sur scène, là? T'as tout oublié? Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut faire le vide et puis y aller, voilà, coupe le coude, c'est parti. De toute façon, tu peux plus reculer. Merci. Merci, Agathe. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, notre deuxième concurrente solo, elle a 14 ans. Elle fait partie de l'association Color Peps également et elle nous vient du Calvados. Elle a obtenu le prix d'or régional, le bronze national, l'or international. En groupe, elle a eu l'or régional, l'or national et l'argent national. Elle a vraiment eu pas mal de prix. Du coup, elle fait de la danse moderne orientale. Je vous demande de faire un triomphe à Tiffen le teinturier. Ça va, Tiffen? Allez, on te laisse danser. Tu as choisi quelle musique? Wonderland. Voilà, bon, je t'aide un petit peu. On se retrouve après pour le ressenti du jury. Prête? Allez, on fait le vide, la piste est à toi. On applaudit Tiffen, s'il vous plaît.
sourire lissé du début à la fin. Quelle grâce, en tout cas. Applaudissements pour Tiffaine, s'il vous plaît. Bon, Tiffaine, prête à recueillir les avis des juges? C'est parti. Alors, Vanessa, viens. Pour commencer, Vanessa, quelques mots sur la prestation de Tiffaine. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, d'abord, premièrement, bravo, parce que c'est, effectivement, c'est pas évident de danser comme ça. Hein. Donc, j'ai bien aimé. Bien. Pareil, tu maîtrises extrêmement bien la technique de danse. Tu te déplaces bien, bien de toute façon d'espace. Après, voilà, le regard peut-être, alors joli sourire, bien sûr, hein, qui est là, qui est présent, c'est super. Après, le regard, peut-être un petit peu plus... tu me regardes autour de toi, être un peu plus, voilà, proche des gens. Mais bon, bravo, voilà. On applaudit Tiffaine. Denisa. Moi, j'ai adoré ta musicalité. J'ai adoré, le... moi, je suis très musicale quand je crée ma chorégraphie. Je sais que j'essayais toujours d'utiliser les petits boum ici et là. Mais j'ai adoré ça. Vraiment, l'occupation de l'espace était parfaite. J'ai adoré les petits pas quand elle est sentie seule. C'est très bien, très original. Alors pour moi, j'ai beaucoup aimé. Alors je te félicite. Il y a une très belle construction au niveau chorégraphie. Pareil, toujours essayer de faire un peu plus d'évolution en termes de temps, comme je le disais tout à l'heure. Mais sinon, c'est vrai qu'en peu de temps, t'as une scène petite, t'as pris tout l'espace. Effectivement, essaye de communiquer davantage. Tu es venu vers nous, on t'a regardé, t'étais proche, mais ton regard est trop en point fixe en fait. Essaye de, voilà, de communiquer davantage. Sinon, t'étais une très 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 belle évolution. Merci. On applaudit Tiffaine. Tiffaine, tu es d'abord depuis quel âge? T'entraînes combien d'heures par semaine? Deux fois. Oui, deux fois 2 heures. Et donc 4 heures de danse voilà, par semaine. Écoute, bravo Tiffaine. Je crois que, voilà, ovation du public, s'il vous plaît, pour Tiffaine, parce que c'est pas facile ce qu'il fait cet après-midi. Merci. Et on va passer maintenant à un duo. Ils nous viennent de l'Ille-et-Vilaine. Ça tombe bien, c'est pas loin. Ils s'appellent Sarah et Alexis. Ils nous font de la salsa bachata. On va découvrir, voilà, ce que c'est. Justement, je vous demande de faire une ovation pour Sarah et Alexis. Ils sont en duo cet après-midi. Voilà, le temps de se frayer un chemin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes inscrits, voilà, d'avoir osé la scène. Vous faites de la danse qu'en duo ou est-ce que vous en faites aussi en solo? Comment ça se passe? En fait, c'est très bachata, c'est en soirée avec tout le monde. Voilà. On se retrouve ensemble, mais on danse aussi avec... mais un couple. D'accord. Bon, drôle de soirée, dites-moi. Non, je me sentais évidemment. Sarah, vous dansez depuis quel âge tous les deux? Depuis 6 mois. D'accord. Et là, vous vous êtes dit, tiens, on va tenter le concours de danse, on se lance. C'est ça, on s'est dit ça ce matin en se réveillant d'une soirée bachata hier. Je ne fais pas de commentaire, joli. Donc 6 mois. Moi un peu plus. Combien? 3 ans. 3 ans. Bon bah voilà, ça fait 3 ans et demi ou 2, Romain. Exactement. Bon, et ben allez, il est temps d'essayer la scène. Je vous demande de faire une ovation à Sarah et Alexis. Escondidos en una habitación, pasaré todo tu cuerpo.
et 26 ans. Sarah et Alexis, vous êtes magnifiques tous les deux. En tout cas, bon, les problèmes techniques, il va falloir passer un petit coup de ciseau là, mais ça c'est pas grave. Hein. J'ai pas le temps. Bon, en tout cas, vous êtes magnifiques tous les deux. Voilà, très beau sourire et belle prestation également. On va demander à nos juges, évidemment, ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, vous en apprenez de bien belles choses dans vos soirées. C'est bien, ça donne envie d'y aller. On commence, Olivia. Un petit mot sur la prestation de Sarah et Alexis. Bon, on va pas parler des fils dans les boutons et de chemise. Je vais commencer donc par mademoiselle. Pour 6 mois, je pense qu'il y a du travail encore à faire, mais c'est franchement chaud de faire. Moi qui ne sais pas du tout danser la bachata, pour celui qui arrive à faire ça. Donc bravo, parce que pour une débutante, entre guillemets, t'arrives quand même à canaliser quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience derrière lui. Donc déjà, ça c'est bien. Il y a une bonne synchronisation entre vous deux. Par contre, faites attention à vos passes au niveau des bras. Faites par moment, vous cherchez un peu vos mains, etc. Donc faites attention à ça, travaillez ça. Vous êtes tous les deux en synergie complètement, ça se sent. On sent qu'il y a du stress un petit peu. Ça se voit sur les visages. Donc faites attention à ça. Et jeune homme, on voit que tu maîtrises ce que tu fais, ça c'est clair. Après, c'est vrai que quand on travaille avec quelqu'un qui a une moins bonne technique, entre guillemets, tu fais le guide, entre guillemets, dans l'histoire, hein, dans les deux couples. Mais il y a une bonne synergie entre vous deux, et ça c'est important, parce que quand on fait un duo, il faut qu'il y ait une synergie entre les deux personnes, et donc ça se voit sur vous, donc ça c'était bien. Après effectivement, technique à travailler un peu plus, mais ça viendra, mais je vous encourage par rapport à ça. Merci à vous deux. Et à la fois, ils dansent que depuis 3 ans et demi, eux deux, hein. Donc c'est vraiment un peu exagéré pour ça, hein, vraiment. Parce que Denisa, depuis quel âge tu danses pour en arriver à ce niveau-là? Moi j'ai commencé à 6 ans, après j'ai fait comme plaisir 3-4 ans et j'ai vraiment commencé à danser la danse à 15 ans. Et aujourd'hui tu danses encore combien d'heures par semaine pour maintenir ce niveau? Ça dépend, mais minimum 4 heures par jour. Et voilà, donc vous voyez c'est vraiment un gros travail. Mais c'est pas que de la danse, il y a la chorégraphie derrière, il y a le travail, il y a les enseignants. Tout ce qu'on ne se rend pas compte en fait quand on est public, où on voit juste la prestation, mais il y a un énorme travail effectivement derrière. Alors Denisa, t'en as pensé quoi toi? Vous êtes trop mignons tous les deux, alors tout d'abord. Je vois que tu t'occupes très bien de ta partenaire, ce que j'apprécie beaucoup. Après moi je préfère que vraiment tu la manges avec tes yeux, encore plus. Parce qu'elle a de temps en temps, tu regardes si elle fait les bons pas, et tu ne regardes pas tout le temps dans les yeux. Mais le costume, vous en faites pas. Moi, ce que j'adorais, c'est que vous avez continué. Peu importe s'il y a quelque chose qui se passe au niveau costume, au niveau pas, vous continuez. Et ça, c'est le plus important. Exactement, vous continuez. Vous n'êtes pas trompé après. Et ça, c'est super, super important pour vous à se danser avec les stars. C'est le plus important. Moi, je dis toujours, il faut continuer. Et la technique, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Vous avez dansé pendant très très longtemps. Alors du coup, c'est très bien, il faut juste savoir garder l'énergie de début jusqu'à la fin. Parce que vous avez commencé avec la bachata, vous étiez dedans, c'était très bien. Et la salsa, à un moment donné, on a perdu un peu l'énergie à la connexion entre vous deux. Je sais pas, à un moment donné, vous avez commencé à danser sur le 2, à un moment donné sur le 1. Alors on ne savait pas sur quel camp vous dansez, mais en même temps, vous étiez tous les deux ensemble. Alors votre synchronisation et votre énergie ensemble, elle était pas. Bravo, vous pouvez s'applaudir. Et venir de l'Inter pour ses précisions et ses encouragements, en même temps ses conseils. Voilà, parce qu'on est là, effectivement, vous êtes là pour juger, je suis aussi surtout pour leur donner des conseils et pour les faire avancer, ça c'est important. Vanessa? Eh bien, d'abord, me semble que vous aimez ce que vous faites. Je vais rejoindre un petit peu mes collègues, ils sont passés avant moi, donc forcément, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vous dit. Effectivement, on sent que vous aimez ce que vous faites. Déjà, je pense que c'est très important, puisque je pense que quand on a choisi une passion, enfin là, c'est la danse, on va jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas combien d'heures par semaine vous en faites. C'est une question, en fait. C'est un loisir, j'imagine. Oui, 6 ou 7. 6 ou 7 heures par semaine. Oui, parce que je pense, enfin, pour 6 mois, je ne suis pas du tout bachata, je suis un peu comme ma collègue. Là-bas. Donc, je ne suis pas dans le milieu de la bachata, mais moi je suis impressionnée. J'ai cru que c'est moi qui m'étais trompée pendant un moment. Je commençais à me dire, oh là là, j'ai écorché le nom.
sais pas. Oui, pour 6 mois, enfin, moi, je suis épatée. Et effectivement, tous les deux, j'ai bien aimé le petit incident technique. Excusez-moi, ça, c'est mon côté clown. Parce que moi, c'est cirque et claquettes, hein. La parade Zumba, bien sûr, et j'ai bien aimé ce côté-là. Moi, ça me plaît. Parce que justement, ces danses-là, effectivement, il y a un côté très sérieux. Hein. Voilà, on est prêt, il y a le porté, il y a le regard. Et ce petit côté, moi, il m'a plu. Il m'a plu. Enfin, continuez, bravo, merci. Continuez, voilà. Encouragement de tout le public, s'il vous plaît, et du jury, Sarah et Alexis. Merci à vous. Un petit mot avant de partir. Merci à vous. Voilà, ça, il faut toujours retenir l'expérience, en tout cas, quoi qu'il en soit. Merci Sarah et Alexis, s'il vous plaît. On va continuer donc avec une danse solo. Style chorégraphique, c'est du modern jazz contemporain qu'on va voir d'ici un instant. Je vous demande d'accueillir une fille de chez vous. Elle s'appelle Margot. Et je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Margot. Alors, Margot, tu fais de la danse depuis combien de temps, Margot? 11 ans maintenant. 11 ans de danse. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Ça dépend, ça peut aller de 2 jusqu'à 15 ans. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce style chorégraphique? Le fait de pouvoir exprimer vraiment ce que je ressens, je peux mettre dans ma danse. Donc, Et venir là, voilà, aujourd'hui prendre des conseils du jury. Je sais que voilà, il y a énormément de stress à avoir Denisa devant toi. En tout cas, je sais que tu l'admires beaucoup. Et donc, j'imagine que c'est un stress supplémentaire, Margot. Ouais, c'est énorme. Bon, il va falloir oublier tout ça. Tu fais le vide. Je te laisse le public. Pour toi, public, prenez soin de Margot. Allez pour vous. Voici donc Margot pour ce solo sur une musique Far Away. Applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit Margot, s'il vous plaît, une nouvelle fois. C'est pas facile, voilà, de passer en public. Bon, Margot, ça a été quand même? À peu près. Bon, en tout cas, voilà, le sourire était là. Et on va demander à nos juges eh bien, ce qu'ils en pensent. On commence par toi, Vanessa. C'est parti. Attends, les micros vont arriver. C'est bon, je crois que tu peux parler, Vanessa. Oui, alors, pour moi, c'était un peu émouvant, en fait. Parce que je regardais Margot et je sentais que, voilà, il y avait énormément de stress. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ton idole est là. Et t'as, je crois, vraiment envie de donner le meilleur. Et du coup, tu t'es mis beaucoup, beaucoup de pression. Donc, parce que c'est bien ce que tu fais. C'est bien, d'être technique. Mais le fait d'avoir mis beaucoup de pression, avec un peu de tes moyens. Donc essaye de souffler, détends-toi. Je dis Margot, s'il vous plaît. Alors Denisa, je sais que tu attends ces conseils avec impatience. Denisa. Merci
merci beaucoup déjà. Ça, ça me touche énormément le fait que tu apprécies ce que je fais. Et moi, j'apprécie ce que toi, tu viens de faire. Je sais que tu étais très stressée, mais en fait, il faut vraiment que tu oublies ce qui se passe autour de toi. Et comme ma famille l'a dit, danse, la première chose qu'il faut que tu penses, c'est à toi. Danse pour toi. Et moi aussi, là, la danse, pour moi, c'est un moyen d'exprimer ce que je ressens, mes sentiments, mes émotions. Alors, je te rejoins là-dessus. Alors, vas-y, continue comme ça. T'as vraiment beaucoup de potentiel, t'as une belle technique, ne te fais pas prendre par le stress, oublie tout ce qui est autour de toi, vraiment. Et vraiment, je te souhaite tout le bonheur et continue à danser, vraiment. Olivia. Alors, moi, je vais juste te compléter. Effectivement, t'as du potentiel, t'en as beaucoup même. Là, le potentiel était présent, le stress a envahi, bien évidemment, comme on en a parlé tout à l'heure quand tu es venu nous voir. T'es jolie à regarder, t'as une belle expression, il y a quelque chose qui se dégage de toi. On sent que t'as une grosse sensibilité, ça se sent. Donc, voilà, travaille soit dans ta bulle quand tu fais des choses et essaye de contrôler ce stress que tu as. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Denisa, si tu as la capacité, avec ce que tu sais faire, au niveau maîtrise technique, de donner encore davantage. Donc c'est le petit plus, en fait, à travailler par rapport à ça. Merci beaucoup. On peut applaudir Margot. Margot, t'as quel âge, Margot? 14 ans. Rendez-vous compte, elle n'a que 14 ans. Voilà, pour se produire, il faut vraiment du courage. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Margot, une fois encore. Alors, t'as bien écouté les conseils, mais juste, t'en retiens quoi aujourd'hui? Vraiment que je pense qu'il faut que j'arrête de mettre dans ma bulle et que j'arrête de stresser. Parce que donc, c'est le problème technique, au début, c'est un peu compliqué. Ça rajoutait un petit peu de stress. C'était encore plus compliqué, donc... Eh bien, applaudissements supplémentaires, donc, pour Marco. Merci à toi. On va accueillir maintenant un duo de filles. Elles ont toutes les deux 12 ans. Donc croyez-moi, c'est vraiment pas facile quand je dis et je le redis, parce qu'il faut oser quand même affronter le parquet devant un jury, devant du public. Elles ont obtenu des prix, elles ont obtenu en solo l'or régional, le bronze national, en groupe elles ont obtenu l'or régional et l'argent national. Leur style, c'est la danse moderne orientale. Elles ont choisi la musique d'IA, Réna. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Manon et Alicia, s'il vous plaît. Qui ont leurs supporters, comme je peux le voir toutes les deux. Alors, vous faites de la danse depuis combien de temps? Moi, ça va faire 3 ans. 3 ans, et toi? 7 ans. Alors, laquelle c'est Manon, laquelle est Alicia? Toi, c'est Manon. Manon. Et toi, Alicia, donc? Et Alicia. Une fois. Je ne risquais pas de beaucoup me tromper. Alors, vous faites partie de l'association Color Pels, où vous venez aussi du Calvados. Qu'est-ce qui vous plaît déjà dans la danse à toutes les deux? Super. C'est ma passion, j'adore faire ça et je suis heureuse quand je le fais. Et ben voilà, donner au public, et ça c'est généreux. Venir danser devant Denisa cet après-midi. Bon, alors comme pour Margot, on vous donne le conseil de faire le vide pour toi aussi. Bon, vous faites le vide les filles, vous ne pensez qu'à vous, suivez les conseils des juges, c'est important. Prenez du plaisir et je vous demande de faire une ovation pour Manon et Alicia, s'il vous plaît. Thank you.
bravo les filles, Manon et Alicia, sous vos applaudissements. Vous êtes magnifiques toutes les deux. Merci. On va prendre les avis des juges. Bon, allez, on va les laisser reprendre leur souffle et pendant ce temps-là, on va demander à Olivia déjà pour commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé, Olivia? Moi, je suis conquise. Vraiment. Chapeau. 12 ans. Ouais, c'est ça. Le talent n'a pas d'âge. C'est sûr. Vous êtes un vrai duo. C'est ce qu'on attend vraiment quand on parle de duo. Vous avez tout en fait. Au niveau technique, c'est irréprochable. Au niveau ventre, comme vous parce que on prendra des cours particuliers. Je suis preneur aussi. Non, franchement, moi, j'ai du mal à trouver mes mots d'ailleurs. En toute sincérité, depuis 5 ans d'existence de ce concours, mais vraiment, je vais être franche dans ce que je vais dire là, j'ai pas vu de en danse orientale. On en a vu. C'est époustouflant. Ma collaboratrice me dit que c'est époustouflant, mais c'est clair. C'est juste, franchement, l'apothéose d'un duo qu'on peut avoir. Et enfin voilà, merci beaucoup. Moi, je suis émue, c'est top. Et vous avez un regard quand vous nous regardez, vous. Captivant. Vous êtes dans votre personnage en fait. Et tout est bien, c'est super beau. Merci beaucoup. Bravo les filles. Danitza. Moi pareil, honnêtement, c'était vraiment incroyable ce que vous avez fait. Depuis le début, vous ne vous êtes jamais lâché. Vous étiez tellement connectés. En fait, c'est comme si on n'existait pas autour de vous et c'est ce qu'on recherche. C'était vraiment magnifique. Et là, quand vous étiez en synchronisation presque parfaite, les mouvements, même moi, je ne suis pas capable de faire les mouvements que vous faites. Alors, c'est vraiment génial. Vous avez du potentiel énorme. Alors, continuez comme ça. Vous êtes presque mon coup de cœur jusqu'à maintenant. Vraiment. Alors, bravo pour votre travail. Parce que là, ça demande un travail énorme. Je ne sais pas combien d'heures par semaine. Combien d'heures par semaine, oui, vous entraînez. 3 heures ou 4 heures par semaine. Oui. 3 heures ou 4 heures par semaine, pas plus. C'est déjà... C'est incroyable ce qu'elles fournissent avec seulement 4 heures d'entraînement par semaine. C'est hallucinant. Moi, j'avais l'impression de voir... D'avoir un coach hallucinant. Ah voilà, c'est un travail. Ouais, très beau travail. J'avais l'impression de voir... En fait, ça aurait pu être... de la natation synchronisée. Pour moi, à un moment donné, j'ai l'impression de les voir dans l'eau, des sirènes. C'était tellement fluide, tellement... Voilà, on aurait eu une piscine à la place, là. Ça aurait fait exactement la même chose. Donc bravo les filles, bravo. Très beau. La première applaudissement pour Manon, l'initiateur de l'association Color Pets, en tout cas. Bravo les filles. Alors, on va passer à un solo. Son style chorégraphique, c'est l'oriental égyptien. 10 années d'expérience, qui pratique la danse depuis 10 ans. Je me demande d'accueillir Laetitia, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. 10 ans d'expérience, Laetitia. Oui, pardon, plusieurs styles de danse. Hein. Danse du monde, classique, un peu de choses. Un petit peu de tout. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la danse? Une forme de liberté, de s'exprimer, et puis on sort du moins dans la nuit quand on danse, tout le temps. C'est vrai, puis ça permet voilà, de partager aussi avec les autres. Ici, venir se présenter au concours Dance Trophy, ça représente quoi pour vous, Laetitia? Alors je viens vraiment tout simplement juste pour l'expérience, voilà. C'est ça qui est génial en tout cas. Lâchez tout, pensez plus à rien, faites le vide. Laetitia, on vous souhaite bonne chance. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Come on!
Applaudissements pour Laetitia. Laetitia qui pratique donc la danse depuis 10 ans dans une association qui s'appelle... Le nom de l'association, c'est Mapitasso. J'ai oublié le plaisir de danser et de partager mon temps. Eh bien voilà, on va recueillir les avis des juges. Vanessa. Moi j'ai une question. Laetitia, pardon, excuse-moi. Quelle est l'histoire du... Enfin, je veux dire, le bâton, c'est pas la canne, oui, ça m'intéresse. Oui, alors au départ, c'était utilisé, enfin, c'était un bâton initialement, utilisé pour le combat en Égypte. Ça s'est transformé ensuite, toujours en bâton, des hommes dansaient avec, et les femmes se sont appropriées pour faire quelque chose de plus folklorique, plus spectacle. Donc ça s'est transformé en bâton. Voilà. Et la pirogue aussi, fait un peu masqué. Au départ, ça vient des hommes et ça s'est émancipé et c'est après les femmes qui sont concernées. Écoutez, moi je suis contente d'avoir découvert, parce que je ne connaissais pas du tout la santé égyptienne. Très sympa, j'aime beaucoup le rythme, sympathique. On voyage, j'étais en Égypte, hein, avec les pyramides, les sphinx et tout. Donc très agréable, donc merci beaucoup. Merci pour le sourire aussi, très agréable. Denisa. C'est vrai que vous avez fait voyager, vraiment. C'était... Moi j'ai beaucoup apprécié aussi la leçon du bâton de la canne. Moi non plus je ne connaissais pas, alors du coup ça fait plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Et Occupation Festas, parfaite, votre musicalité était très à point. Peut-être un peu plus extérioriser l'énergie que vous ressentez. Parce que là je vous ai senti un peu plus intériorisé. Mais j'aimerais bien que vous partagiez un peu plus avec nous, sinon l'exécution était juste une. Et Olivia. Alors effectivement, je ne vais peut-être pas être très originale dans ce que je vais dire, mais je découvre aussi. Je n'ai jamais eu sur le concours d'Anne-Sophie de la danse orientale égyptienne. Une belle découverte, merci pour ça. Une très 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 bonne occupation d'espace, ça c'est sûr, on avait su évoluer dans ce petit espace. Un peu plus de communication avec nous, avec le public. Voilà, c'est juste le petit plus en fait. Mais sinon, c'est vrai, on est parti avec vous. Donc ça, c'est... Déjà, nous faire partir avec vous, c'est déjà... Ça prouve qu'on a capté ce que vous voulez nous faire passer. Merci. Merci. Je suis super contente que tu aies une expérience de plus. Merci. Exactement, une belle expérience. C'est d'avoir pu découvrir l'histoire de quelque chose de différent. Voilà, c'est aussi ça, faire partager cette différence. Merci, Laetitia. Applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Je voulais spécifier juste que si vous souhaitez revoir toutes les prestations des candidats, nous sommes en train de filmer, elles sont disponibles sur notre site internet onécoutelatélé.com. Dans la semaine prochaine, on va monter une vidéo, comme ça si vous voulez revoir même pour les candidats, si vous souhaitez revoir les prestations des candidats, on vous mettra ça donc sur notre site onécoutelatélé.com la semaine prochaine. On va passer à notre prochaine candidate solo. Elle s'appelle Mélissa. Qu'on accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Mélissa, style chorégraphique oriental. Tu as choisi un medley, c'est ça? Non, c'est Shimabulus. Ben voilà, on m'a pas mis le titre, mais c'est pas grave, tu vas nous donner, ça s'appelle, répète? Shimabulus. Ben voilà, on va te laisser danser. Ça fait quoi déjà de danser devant ce jury? Ben c'est la première fois, je fais un concours. Tu danses depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans et t'as pas fait un concours de danse encore? Donc c'est vraiment uniquement pour le plaisir. Ouais, ben c'est pour en faire une expérience. Exactement, tu as bien raison. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours aujourd'hui, Mélissa? La présence de Denisa, un petit peu? Oui, mais c'était surtout pour l'expérience et c'est un concours. Eh bien, écoute, la piste est à toi. Fais le vide, pas de stress. Écoute, le public est à toi. Applaudissements, public, on vous entend? C'est pour toi, Mélissa, sous vos applaudissements.
qui nous a présenté donc sa danse orientale. Ça va? Ça va. C'est passé maintenant. Tu fais partie d'une association, Mélissa, on peut la citer, c'est Danse du Monde 35, c'est ça? Oui, c'est ça. Une association, vous êtes combien dans l'association qui regroupe combien de danseurs? On est un peu plus de 100. Oh, oui, ça commence à faire du monde quand même aussi, donc Danse du Monde 35. Alors on va demander à nos juges, je suppose que tu es impatiente de savoir ce qu'ils ont en pensé. Oui. C'est parti, Olivia, on commence par toi, on repart dans l'autre sens, c'est parti, Olivia. Pour un premier concours, bravo, vraiment. Merci d'être venu à nous. J'ai trouvé que t'as vraiment de la technique, c'est pareil, la technique du ventre, c'est incroyable. Je suis toujours autant impressionnée par regarder cette technique du ventre. Synchronisation, c'est ça. Ouais, non, t'es habité par ce que tu fais. T'es vraiment habité en fait. T'es dans ta vie, t'es habité. T'as toujours le sourire. Alors pareil, essayer de, quand vous passez comme ça, c'est compliqué de passer dans le jury. En plus là, il y a un public, il y a un peu partout. Essayez de communiquer davantage. Voilà, c'est vrai que d'être dans sa bulle, on est beaucoup mieux centré sur ce qu'on fait, mais il faut qu'on lui communique. Sinon, très très belle technique. Le costume, j'adore. Vraiment, c'est vrai. Hein. Franchement, ouais. Le costume, j'adore. Et pour un premier concours, moi, je t'encourage à en faire d'autres. Parce que c'est vrai que quand on est confronté à faire des concours devant un public, devant un jury, on va apprendre à maîtriser davantage son stress, davantage aussi certaines autres choses. Donc vraiment, bravo, merci beaucoup à toi. Bravo Mélissa, pour la plaisir. Denitsa. Alors, le micro, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pile. Ouais, oui, on va commencer à se répéter à un moment donné, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que tu as une bonne maîtrise de ton corps. Comme disait Olivia, c'est vrai qu'il faut encore plus aller chercher les gens. J'ai senti que quand les gens ils ont commencé à applaudir, c'est là qu'en fait j'étais ressenti un peu revivre. Et c'est ce que je recherchais dès le début. Alors du coup, essaie de nous engager, de nous captiver encore plus. Et vraiment, fais d'autres concours parce que tu as du talent, du potentiel. Et Vanessa. Oui, bien, effectivement, tu es habité par ce que tu fais. On le sent, c'est très agréable à regarder. Après, je ne vais pas me répéter, la même chose, essayer de plus être avec les gens. Enfin, je peux être aussi dans ta bulle. Puis après, partager un peu, effectivement, qu'il y a des gens qui ont commencé à applaudir. C'est la même chose, j'ai ressenti, voilà, on avait envie de presque venir avec toi et t'accompagner. Voilà, merci en tout cas. Bravo Mélissa, on peut l'applaudir. Qu'est-ce que tu retiendras de ce que les juges ont pu te donner comme conseil, Mélissa? Il faut que je sois plus affectée. Je plus de contact avec ça. Ça te donne envie de faire d'autres concours? Oui. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine, Mélissa? 3-4 heures. 3-4 heures depuis 10 ans? Oui. Écoute, on te souhaite bon courage, bonne chance évidemment pour la suite. On applaudit Mélissa, s'il vous plaît. Notre candidate suivante nous vient d'Inde. Elle s'appelle Shanti, ça veut dire la paix. Et je vous demande de l'accueillir pour sa danse qu'elle va s'exprimer cet après-midi, qu'elle va exprimer pour vous, qu'elle va nous faire partager. Shanti, ça va? Pas trop la pression? Voilà, c'était le moment de faire le lead, c'était le lead de Shanti. Voilà, c'était la respiration de Shanti. Shanti, vous faites de la danse depuis combien de temps? Quand j'étais enfant, j'avais fait, et puis je pense que si je me souviens en même temps, la première danse que j'avais fait, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans, toute seule, j'avais fait ma chorégraphie toute seule à l'école, parce que j'étais dans une école expérimentale en Inde, dans mon langue maternelle, et c'est une école hindoue. Et on avait le droit d'exprimer, les enfants avaient le droit d'exprimer tous les samedis après-midi tout ce qu'ils voulaient. Ça peut être la danse, ça peut être un speech, ça peut être une comédie, ça peut être n'importe quoi. Donc ma première danse que j'avais dansée, j'avais 4 ans. Et j'ai dansé jusqu'à 12 ans. Après, mes parents m'ont interdit de danser. Et bien vous êtes revenus. Voilà. Dansez combien d'heures par semaine, Shanti? Rien. N'importe comment. N'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Voilà, quand ça la chante, je fais. La danse indienne de Nidza, ça te parle évidemment, parce que c'est toi qui as fait la chorégraphie
dans le téléfilm Coup de foudre à Jaipur, notamment avec Ryan. Et c'est toi qui as fait la chorégraphie, tu es parti là-bas hein, pour les coacher, hein, puisqu'on a eu toute une chorégraphie dans le film. Oui, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai fait la danse indienne, c'était pendant la saison avec Ryan, la saison 5. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout de faire un Bollywood. Je ne connaissais pas les pas de base, la technique. Alors c'était un peu difficile de chorégraphier, vu que les chorégraphes sont nous, pendant Danser avec les stars. Et quand tu te donnes un style que tu ne connais pas, c'est assez difficile. Mais j'ai beaucoup apprécié le Bollywood. Et c'est pour ça qu'en fait, le réalisateur du film de Coup de foudre à Jaipur, il a vu cette danse-là, et c'est cette danse-là qui l'a inspiré à faire ce film, à faire le scénario, et nous amener en Inde avec lui. Et faire cette chorégraphie dans la rue, vous avez voilà. Fait. Voilà, chanté. Ce n'est pas Bollywood que je vais faire, c'est Hollywood. Oui. Hollywood, c'est de Tamil Nadu. Moi, je viens de Tamil Nadu. Tamil Nadu, si je dois dire dans ma langue. Donc, je vais danser pour une chanson d'un film qui s'appelle Kadal. Kadal, ça veut dire l'océan. Et c'est un pêcheur qui est fou d'amoureux d'une fille, un pêcheur qui n'a pas d'études, qui est orphelin, qui est grandi dans le bruit, et qui se débrouille toute seule. Et lui, il va tomber fou amoureux d'une fille qui est riche de son pays. Inaccessible. Elle est belle, elle est éduquée. Elle est chrétienne. Elle a tout ce qu'il le faut. Il est fou amoureux d'elle. Et il ne sait pas comment exprimer son amour. Il ne sait même pas capable de dire qu'il l'aime. Il est fou amoureux. Et je l'ai choisi parce que c'est un film que j'ai vu avec ma copine Tatsane et avec sa fille Marisa. Et on a aimé chacun une chanson dans ce film-là. Mais moi, j'ai choisi pour Marisa. Il a aimé ses chansons parce que j'aime bien la deuxième chanson. Elle est là, la troisième chanson. Et moi, j'ai choisi pour Marisa, la petite qui a aimé, c'est habillée. Habillée, ça veut dire. Enfin, comment je dis mon amour, vous pouvez appeler comme vous voulez. Habillée. Habillée. Ok? Allez, on va nous laisser exprimer effectivement tout ça. On applaudit. Chantez, s'il vous plaît. Thank you.
Son univers, ça va mieux, Chanty? Voilà. Faut remettre un peu d'énergie dans tout ça. On va demander à nos juges ce qu'ils ont pensé de cette prestation. Vanessa? Eh bien, c'est très théâtral. C'est-à-dire que c'est beaucoup le visage qui est expressif, le corps aussi, hein, mais beaucoup plus le visage. Apparemment, ça demande effectivement une grande énergie. Beaucoup d'énergie. Après, moi j'avoue, personnellement, j'accroche pas trop. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà, c'est. Pour moi, ça. Le corps n'est pas assez, voilà, il n'y a pas assez de mouvement du corps, c'est pas assez, voilà, ça ne bouge pas assez au niveau du corps. Après, voilà, c'est mon avis. Benita, moi, je trouve que vous êtes très captivante. Vos yeux transpercent tellement du public. Ça, honnêtement, j'apprécie beaucoup parce que je me cherchais de tout le monde et vous l'avez utilisé, mais parfaitement. Après, moi aussi, j'avoue qu'il manquait un petit peu plus de danse, un peu plus de mouvement de corps pour accompagner votre côté théâtral qui est assez fort. Et sinon, c'était un bon spectacle, une bonne histoire. Olivia, je te vois. C'est vrai que c'est un peu différent de ce, entre guillemets, de ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, moi, je vais souligner le petit plus aujourd'hui. Ce sont les danses du monde, puisque tu as fait rentrer dans la catégorie danse du monde. Univers. Ouais. Et je suis assez touchée par rapport à ce que tu nous as expliqué déjà tout à l'heure, ce que tu viens de nous expliquer de nouveau ici. Ce que je vais retenir ici, c'est que je suis contente, hein, je parle au nom de l'équipe et de l'ensemble de mes jurys du jour, d'avoir pu t'offrir aujourd'hui la possibilité sur cette scène de danser. Cette année, la vérité est en chant.
enchantée. Merci d'avoir partagé votre univers et ce moment suspendu avec nous, en tout cas. On va passer au candidat suivant. C'est une candidate. Elle fait partie d'une association de Rennes, en plus. Donc, c'est une locale de l'étape. Je me demande d'accueillir Vannoma. Vannoma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Vannoma, racontez-nous un petit peu votre histoire dans la danse. Alors, déjà, je suis chilienne et donc latine. Donc, là-haut, au Chili, on danse depuis la plus jeune âge. Je suis prof ici depuis 7 ans. De danse latine, urbaine et fitness. Et j'ai appris à la dernière minute, on va dire, qu'il y avait ces concours. Je ne connais pas comme la personne d'avant, je ne connais pas vraiment les stages. Je suis désolée, mais je n'ai pas la télé, je danse. Et je vais vous montrer ça. Ouais. C'est parfait, vous êtes partie d'une association, hein, donc. Oui, je fais partie d'une association qu'on a créée il y a 2 ans, elle s'appelle Cubanizate. C'est là où on fait toutes nos activités latines et les événements pour la ville, en fait. Ouais. Combien de membres à l'association aujourd'hui? Combien de membres? 120 membres aujourd'hui. Et beaucoup de danseurs, donc, du coup. Et beaucoup de danseurs, et donc je profite de passer la publicité dimanche, donc demain, à Bonnemain, c'est un peu loin. Je fais une animation de Zumba et ensuite la semaine prochaine on fait une soirée gratuite au bistrot d'Auguste, ça s'appelle le bar, c'est à Rennes, avec la salsa, initiation salsa funk. Voilà, tout est dit, bravo, merci Vannoma d'être avec nous. Un petit mot? Oui, juste pour que vous sachiez ce que je veux faire, ça s'appelle le reggaeton, c'est un mélange entre le raga et le hip-hop, donc vous allez trouver des éléments un peu des deux. Au cas où vous ne connaissez pas ce que c'est. Voilà. Et on est sur une musique de... On est sur une musique de Yosmir Yeldani. Je ne sais pas si vous allez retenir parce que c'est en espagnol. Voilà, c'est des musiciens cubains. Merci, Vannoma. On va regarder ça. Je vous demande d'applaudir très fort, Vannoma. Oye, que somos la noticia de la calle. Esto me cayó de la.
quelle énergie. Bonne remarque. T'as emmené public, je crois. Qu'est-ce que vous avez emmené, je Je dis que tu as emmené public. Ah, bah ça c'est bien, il faut un petit peu de ça en France, non? Parce que des fois on est trop sur la retenue, et c'est ça que je propose ici à Rennes, justement. L'énergie et la joie. Exactement, l'énergie de la joie, voilà, ça fait du bien. Applaudissements encore pour Van Nomad, s'il vous plaît. Alors on va demander à nos membres de jury maintenant ce qu'ils ont pensé de cette prestation. On a fini par qui tout à l'heure? Je ne sais plus, Vanessa ou Olivia? C'est toi qui as terminé, donc c'est toi qui commence. Allez, allez Olivia, lance-toi. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que moi j'attache une petite particularité sur la partie tenue vestimentaire. J'adore, je suis fan de la tenue. C'est simple, mais c'est complètement en accordance avec ce que tu nous as proposé. Donc franchement c'est génial, j'adore. Comme tout à l'heure, les danseurs orientales, c'est pareil. Et belle énergie, c'est clair que dans les concours, des fois, voilà, on attend toujours à ce qu'il y ait le côté énergie qui soit présent. Là, tu as tout donné, tu as occupé ton espace. Tu nous fais découvrir une autre, donc, moi, que je connais, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises dans les concours. On n'a jamais eu de solo, en fait, dans cette discipline de danse, dans nos concours. En tout cas, c'est une première. Et c'était génial, moi, j'ai adoré. J'étais captivée, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci. Denisa, ton ressenti? T'as une super belle énergie, honnêtement, ça s'est vu. Regarde, les gens, ils ont commencé à applaudir dès le début. Alors, du coup, voilà, tu les as amenés avec toi. T'as super bien occupé l'espace, les mouvements, t'as amené la bonne humeur. Vraiment, on avait tous le sourire, de début jusqu'à la fin. T'as su garder l'énergie. Alors, voilà, la tenue était parfaite, la danse, tu étais parfaite. Alors, moi, j'ai adoré. Et Vanessa. Moi c'est pareil, ta tenue, j'adore déjà. En plus, alors après, je donne aussi de Zumba. Donc moi je suis extrêmement aussi sensible à toutes les danses latines. Voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure. En France, on est beaucoup sur la retenue. Et dans les pays latins, justement, on bouge ça. Ça bouge. Voilà. Et ça, c'est la vie. Hein, voilà. Et en plus, tu as le sourire, tu as l'énergie. Donc je suis loin, c'est dommage. Sinon j'aurais bien fait une masterclass de Zumba avec toi. Ouais, franchement, merci. Et bien voilà. Que des félicitations, Daniela. Merci beaucoup. Comme je le disais, je suis à la dernière minute un petit peu du concours, mais je me suis dit, pour une fois que c'est à Rennes, bah, il faut y aller, quoi. Il faut prendre. Il faut y aller tout de suite. Voilà. Merci à tout le monde. Si vous voulez partager, voilà, il y a beaucoup d'émotions cet après-midi et un ascenseur émotionnel important entre Chantilly avant et là, mais c'est vraiment sur deux opposés, des émotions absolument incroyables de nous procurer, vraiment, voilà, on peut vivre des émotions, c'est pas moi qui vais te l'apprendre de Nizza, mais on peut vivre vraiment des émotions, des ascenseurs émotionnels incroyables d'une danse à l'autre. Oui, chaque danse a sa particularité, chaque danse peut nous faire vivre des émotions différentes. Ça dépend du rythme, de ce qu'a la personne et veut partager avec nous, l'histoire qu'elle raconte. Alors c'est pour ça que j'adore la danse, parce que ça me fait ressentir quelque chose que peut-être on n'aurait jamais ressenti. Bravo Mme Thomas, merci. Kouanisate, n'oubliez pas, c'est notre association. Ouais. Bravo. Merci, merci beaucoup. Partager ce cours avec nous. Alors, c'est notre avant-dernière candidate, hein, puisque nous avons encore une candidate solo avec nous, et ensuite un groupe. Cette candidate solo a 18 ans. Elle va nous faire du hip-hop, de la danse orientale. Alors, lequel des deux? On va l'accueillir pour lui demander. Je vous demande d'accueillir Maeva, s'il vous plaît. Ça va, Maeva? Oui, ça va. Pas trop la pression? Non, c'est pas. En fait, là, moi, j'arrive, je vais improviser parce que en fait, j'ai un petit malade que ma mère m'a lancé. La vilaine. Et donc, là, j'y vais, c'est vraiment pour le plaisir. Eh bien, tu as bien raison. Prends du plaisir, c'est le moment pour toi. Alors, il y avait marqué hip-hop danse orientale avec un point d'interrogation. Est-ce que tu as fait ton choix? Non, en fait, c'est hip-hop, mais c'est juste que quand je suis dans la danse orientale. J'ai plusieurs types de danse. Et tu vas nous présenter une danse sous quelle musique? Ça s'appelle One to One, la musique. Et
et on va écouter ça. Écoute, la scène est à toi, le public est à toi, et le jury est à toi aussi. Maëva, on l'encourage s'il vous plaît. Chouette moment. On va demander l'avis de nos juges. Maëva, tu fais de la danse depuis combien de temps? J'ai commencé cette année. T'as commencé? J'arrête de poser des questions. Après, je danse depuis que j'étais petite à la maison. J'étais autour de vous africaine, du corps à tête quand j'étais petite. La danse, ça, je reprends. Tu fais très bien, en tout cas, de la reprendre. On va demander l'avis de nos juges. Vanessa? Bravo, effectivement. Ta maman a bien fait. Je ne sais pas où est ta maman. Oui. Elle est là, ouais, alors, en fait, je m'en doutais un peu parce que le regard, déjà, je trouve ça vraiment extraordinaire de croire en ses enfants. Hein, quand on sent que les enfants ont une passion, va les soutenir. Déjà, bravo, madame. Voilà. Et puis, alors. J'étais très touchée, puisqu'effectivement, pareil, j'aime beaucoup la danse hip-hop, par rapport aussi à mon vécu. Et ce changement rythmique au niveau du corps, c'est très fort. Parce que quand on sait que ça demande, au niveau des muscles, là je fais un peu d'anatomie, excusez-moi, j'ai besoin pour moi. Au niveau des muscles, tout ce que ça demande, du travail énorme, un énorme travail. Donc, bravo. Continue, et tu es habité aussi par ce que tu fais. On sent que tu aimes ce que tu fais. Continue, bravo, bravo. Honnêtement, pour ma improvisation, c'était génial. C'est ça d'être un danseur. On met n'importe quelle musique, on ressent la musique et on se lance. Et on dirait que c'est une vraie chorégraphie, que tu as réfléchi
et que c'est pas quelque chose que tu viens de faire à l'instant. Alors c'est pour ça, merci beaucoup, tu nous as montré c'est quoi d'être un vrai danseur. Les isolations étaient juste parfaites, le contrôle de ton corps, bravo à ta maman qui t'a inscrite parce que c'était un vrai plaisir de te regarder. Et Olivia, c'est plus jument. Merci maman. Non, voilà, comme quoi, des fois, hein, voilà. C'est ça aussi ce qui est fort en fait, de faire des concours, hein, même si ce n'est pas des choses qu'on peut voir tout le temps. Des concours de danse, de chant, etc. Ça se passe beaucoup dans les salles de spectacle. C'est vrai que faire des concours de danse, il peut y avoir plusieurs a priori dans les centres commerciaux. Le fait d'être dans un centre commercial avec des gens qui vont faire leurs courses. Et puis voilà, venir sur une scène qui est toute petite et de prendre le risque de le faire. Il faut oser le faire. Donc déjà, merci à vous tous d'avoir osé d'être venus nous voir déjà. D'avoir exprimé ce que vous nous avez fait passer. Te concernant, bah je suis assez. Je vais revenir un petit peu comme tout à l'heure le duo des jeunes filles orientales. Alors là, je vais dire, ouais, tu fais partie de mes coups de cœur, pardon. Parce qu'aujourd'hui, tu viens, tu n'étais pas prévu d'être là, ta maman est passée, elle t'a inscrite, tu improvisais complètement ce que tu as fait, et franchement, quand on improvise des choses, et ça pourrait me rejoindre là-dessus, je rejoins le mot que tu as employé tout à l'heure, on sait dire qu'on est un danseur. Donc pour moi, aujourd'hui, tu es une artiste. Tu es capable. Comme ça, on te propose un thème, tu es capable de nous le faire. Tu es habité complètement de la tête au pied par ce que tu fais. Et voilà, t'es dans ta bulle, enfin, c'est... Voilà, moi ça m'a vraiment... je suis estomaquée par ce que tu viens de faire et ouais, franchement continue, je t'encourage à continuer à faire ce que tu fais. Et bravo, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, t'as excusé d'arriver sur scène, mais quand même, sans avoir fait tout, parce que... Enfin, c'est vrai que je commence la danse, enfin, le hip-hop. J'arrive comme ça, en plus hier soir j'étais sortie de je me suis réveillée, il n'y a pas si longtemps. Et puis de venir là et tout. Hein. Moi enfin, j'aime danser donc j'ai dit pourquoi pas, mais voilà. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de vin là. Surtout que je pense que j'ai encore beaucoup d'aspects techniques à améliorer, vu que je vais commencer et voilà ce que tu veux. C'est très prometteur en tout cas. Merci beaucoup Maëva, on peut t'applaudir. T'as des choses techniques à améliorer, t'as des choses techniques à apprendre, à continuer d'apprendre pour évoluer. À améliorer, je dirais pas ça. Voilà, moi je te dirais plus de partir dans le sens, de te dire que tu dois évoluer et apprendre d'autres choses pour peaufiner ce que tu es capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, t'as un potentiel mais énorme. Merci. Ce que tu le fais déjà très bien. Voilà. On va accueillir notre troupe, notre dernière troupe. Puisqu'ils sont 8, ils ont de 10 à 17 ans. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements à la troupe Tribal Dérivation, s'il vous plaît. Et je vais vous demander d'applaudir aussi celle qui les coach. Je vais vous demander d'accueillir Honorine avec moi aussi. Allez, viens me voir, Honorine. Alors, Honorine, tu t'occupes donc de cette troupe. Hein. On l'a déjà vu en duo. Et en solo certains de ta troupe, hein, pour le coup. Alors Honorine, tu es coach, toi, hein? Oui, je suis professeure de danse, le dernier mental. C'est le moment de faire un petit peu de pub pour ton association, l'association ColorPeps. C'est ça, l'association ColorPeps, on est essentiellement dans le Calvados, donc sur Caen et alentour, sur la côte, Ouistreham, les plages du département, tout ça. Mais on se déplace un peu partout avec les filles pour les concours, les régionaux, les nationaux, les internationaux. Et quelquefois aussi pour des animations, des premières parties, voilà. On voit le plaisir en tout cas qu'elles prennent. Les filles, je crois que vous avez une super coach. On va voir ce qu'elles vont faire. Elles vont être sur une musique qui s'appelle Beatbox, c'est ça? C'est ça, c'est un medley en fait. C'est essentiellement du beatbox. Vous allez retrouver beaucoup de sonorités orientales. Et le Tribal Fusion, c'est pas très connu. C'est une danse qui mélange l'oriental, le hip-hop, le moderne, le jazz, la gymnastique, la danse indienne, vous pouvez fusionner avec n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est fusionné. Vous allez retrouver un peu de jazz au sol normalement, mais vu que la scène elle est hyper petite, ce matin on est obligé de modifier une bonne partie du tableau. Donc j'espère qu'elles vont s'en sortir parce qu'elles font que 2 ou 3 ou 4 heures de danse semaine et modifier le matin pour l'après-midi à ce stage-là, c'est pas toujours évident. Elles ont obtenu des prix en solo mais aussi en groupe, hein. Elles ont eu l'or régional et l'argent national. Alors ce groupe-là, la base, cette chorégraphie-là, leur tech médaille d'or national en 2015, normalement ils sont beaucoup plus sur scène, mais on a réduit parce que l'espace est trop petit. Donc on a réduit le groupe dans le bon motif.
imaginez, elles ont juste 1 m 50 chacune, là, sur la scène. Alors je vous demande de leur faire une ovation au groupe Total Dérivation. Moi, je m'en vais avec Honorine, justement, on va regarder ça. Juste, si tu peux permettre avant de commencer, Honorine, je viens juste de me rappeler de certaines choses. On s'était déjà contacté à l'époque, hein, pour le concours dans ta région. Oui, je voudrais organiser le Lance Trophy dans ma région, et je devais le faire, et malheureusement, j'ai eu des aléas de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu faire les autres années. Donc là, on fait cette année, et à la base, oui, je voudrais l'organiser en Normandie. Alors, je te dis oui, parce que ça fait longtemps qu'on est en contact avec les deux. Donc, oui, on en reparlera ça. Merci. Allez les filles, on les encourage. Dérivation, les encourage, s'il vous plaît. Danser chacune, donc vraiment bravo, vous pouvez vraiment leur faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Elles ont vécu en plus que le stress des copains et des copines qui sont passés avant, donc passer en premier c'est pas facile, mais en dernier ça n'est pas non plus, hein, faut dire. Hein. Bon, les filles, on prend leur avis ou... Hein, on est venu pour ça. Bon, allez, on commence par qui? Vanessa, Olivia? Allez Vanessa. Alors effectivement, pas évident, danser, vous êtes très bien débrouillé, les filles, bravo, on sent que quand même il y a un sacré travail, hein, parce que vous êtes adapté, très bien, donc ça c'est déjà important, savoir s'adapter, et puis encore une fois, ouais, c'est joli, c'est agréable à regarder, il y a les sourires, il y a la présence, il y a la technique, bien des sirènes, natation synchronisée, voilà, bravo les filles.
Vous avez une super coach, hein. Franchement. Denisa. Tout d'abord, bravo à la coach. Vraiment, félicitations. Vous avez fait un niveau magnifique. On va te dire pour ce travail. Ouais, vraiment. Et les filles, je vous félicite parce que je sais que c'est pas facile de danser dans un espace aussi contrarié, mais vous avez fait un travail vraiment méritable. Alors du coup, je vous félicite pour ça. Vous avez gardé le sourire quand il fallait, vous étiez sérieuse. Alors vraiment, j'ai beaucoup apprécié toutes les expressions que vous nous avez données, votre technique, votre synchronisation, le fait que vous étiez avec l'autre l'une de l'autre. Alors bravo, vraiment beau travail. Et Olivia. Alors moi, je vais être un peu longue, je vais me permettre de prendre un peu le temps. J'ai le temps, Olivia, vas-y. Pour un groupe, c'est vrai qu'un groupe oriental, déjà pareil, je vais peut-être encore vous dire, je me répète, mais vous pensez la vérité, un groupe oriental en concours, on n'en a jamais eu. Voilà, donc déjà merci. Et c'est vrai que c'est, voilà, la tenue, enfin c'est top, le maquillage, en accordance avec ce que vous faites, c'est vraiment, tout en est en accord. Effectivement, l'emplacement est très petit, mais il n'y en a pas une qui a été marchée sur le peu de centimètres de l'autre. Vous avez vraiment respecté vos emplacements. Il y a une vraie cohésion entre vous, en fait. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Voilà. Il y a ce sourire, ce côté facial, en fait, que vous dégagez, les expressions que vous dégagez, c'est toujours présent du début à la fin. Ça, c'est très important de garder aussi ça, ce qu'on peut dégager du public, de nous. Donc, merci à vous. Un gros, 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 gros applaudissement et je souligne parce que, à Aurélie, depuis le départ, ce qu'on a vu tout à l'heure, aussi bien les petites jeunes en solo, en duo, et puis là, ce que vous avez fait, tu me fais penser à quelqu'un qui était vu chez nous dans le Dance Coffee dans le Nord, en fait. Une professeur de chant qui s'appelle Karine Gouault, de l'association Génération Danse, qui était venue nous voir, plusieurs reprises son concours, pareil, qui nous a présenté des solos, des duos, des groupes, côté moderne jazz, et qui me fait penser un peu à toi, parce que vous avez un peu le même état d'esprit au niveau de ce que je vois, au niveau de travail, vraiment, ce que tu amènes, en fait. Et c'est vrai que des fois dans des cours de danse, on prend des cours, on enseigne, mais il y a ce côté humain, entre guillemets, qui est important aujourd'hui. Voilà, ça se sent vraiment. Ce côté humain, ce côté relationnel que vous avez, et ça c'est hyper important, et de plus en plus de nos jours, hein, pour tout ce qu'on peut vivre là, ces derniers temps. Donc merci, je voulais le souligner par rapport à ça, parce que c'est agréable d'avoir des sourires, d'avoir des expressions du début à la fin, de la communication avec vous, donc merci. Moi j'ai adoré, je suis très fan de ce que vous faites, donc je pense qu'Audrine, on va se revoir vite. Et puis si je vais me permettre juste de préciser aussi quelque chose, si je peux le faire. Nous sommes dans votre région, alors pas pour le Dance Trophy, mais je serai avec Demissa puis avec Christian. On est au centre, donc au champ de Mondeville, pour une petite séance de dédicace cette journée. Donc, on se verra au mois d'avril. Et que vous êtes invité avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Mais encore bravo. Alors il va y avoir évidemment délibération du jury. Il va y avoir donc trois prix qui vont être remis, plus un quatrième qui sera le coup de cœur de Denisa. C'est ça, Olivier. Je vous demande d'accueillir à mes côtés le jury de ce Dance Trophy Sélection Régionale Bretagne. Je vous demande d'applaudir Vanessa, Olivia et Denisa. Alors, juste avant de donner le nom des lauréats, j'aimerais déjà avoir votre ressenti sur cet après-midi et sur ce que vous avez vu, les filles. Eh bien, pour moi, donc, je disais que c'était une première fois. Donc, c'est un spectacle fort agréable. On voit de belles choses. Tous les âges, tous les genres, tous les styles. Donc je suis impatiente de recommencer cette expérience. Donc merci encore beaucoup à tous les participants. Participants, il y avait un garçon. Merci à tous. Bravo, beau garçon. Et moi aussi, je voulais vous remercier de m'avoir accueilli ici chez la Rosemont. Merci à Olivia de m'avoir invité. J'ai vu beaucoup de talent, j'ai adoré tous les styles de danse. J'ai vu de la variété, j'ai vu du courage, parce que vraiment ça prend beaucoup de courage de venir danser devant le jury, devant vous, d'être tout seul dans un espace pas très grand. Alors du coup, bravo à tous les participants pour votre courage, pour votre volonté, pour votre belle danse. Et oui. Alors moi je veux remercier déjà tous les candidats, candidates, d'être venus jusqu'à nous. Merci au public d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir d'avoir du monde, merci beaucoup. Je voudrais remercier bien évidemment Madame Nico, directrice du centre commercial. Merci de descendre, Madame Nico. Merci, merci à vous. Et on va remercier également le comité d'animation de la galerie, voilà, qui nous a reçus également, parce que c'est avec Madame Nico qu'on a pu faire ce concours ici en Bretagne, section Bretagne pour le Dance Trophy. Donc merci beaucoup. On les applaudit s'il vous plaît, l'association des commerçants de la galerie de Nico. Alors je ne vais pas être trop longue, là on va annoncer les résultats, d'accord. Donc le podium et puis après je continuerai après peut-être, ou pas. Après on fera une petite photo sans dédicace derrière, d'accord. Ce ne sera pas très très long parce qu'on a un train à prendre. Et puis après j'espère que prenez le temps aussi, je serai là aussi tout à l'heure, donc si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas, voilà. Donc le podium. Ah, on commence, c'est toi Olivia qui annonce la médaille d'argent ou de bronze, hein, c'est... Pour la troisième place, ouais. Troisième, deuxième. Allez, troisième, deuxième, premier, Olivia, je te laisse annoncer. Alors, donc, La troisième place, la troisième place a été attribuée au groupe Tribal Génération. Avec Honorine, s'il te plaît, viens aussi. Vous partez en finale avec nous au mois de décembre. Et vous allez visiter la belle région Poitou-Charentes. Ça c'est placé. C'est pas passé. Restez avec nous pour une petite photo. Un grand bravo les filles. On va faire une petite photo de famille. On va poser tous ensemble avec le jury. Voilà donc pour la troisième place de ce concours. Donc les filles, vous partez toutes en finale. La deuxième place a été attribuée à une candidate solo, à Maïva. Ouais. Maïva. Maïva et son improvisation qui n'en vient toujours pas d'être là. Maïva donc. Deuxième place, bravo Maïva. Maman de Maïva, où êtes-vous? Elle est où maman? Voilà, elle est là, elle est en train de filmer. Ah, ben voilà. Petite photo? Allez, on se groupe. Merci. Donc tu pars avec nous. Voilà. En Poitou-Charentes. Et enfin, la première place. La première place. On la laisse annoncer par Denisa. Ouais. Allez, Denisa qui va nous annoncer donc la première place. Donc la première. La médaille d'or. La médaille d'or, c'est pour. Roulement de tambour. Maëva et Alicia. Qui vous vous l'avez compris, venir deux fois en finale. Un peu beaucoup en défi, hein. En groupe et en duo. Et bravo les filles, c'était magnifique ce que vous avez fait. Allez, on regroupe bien la photo. Bravo. Vraiment, on peut les applaudir très fort. C'est notre nouvelle heure, on part en finale en décembre. Les Dance Trophy. Et donc, il y a toujours des surprises dans ce concours. Il y en a-t-il eu? Il y a une quatrième place, c'est une personne qu'on a... Voilà, qu'on va emmener aussi en finale avec nous. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur qui mérite de défendre les couleurs de cette région avec nous. Je veux dire par le prénom, je vais demander à Vanessa de nous rejoindre. Alors, j'ai pas trop fait, mais comme on se reverra en finale, on en fera faire un beau trophée aussi, on les redonnera en finale. Voilà. Et c'est un coup de cœur. Donc un coup de cœur, c'est avec le cœur. Voilà. Tu viens avec nous au final pour représenter la région dans ta catégorie. Exactement. Voilà. Bravo, en tout cas, pour ce coup de cœur.